Ce sont les portes du bureau de l'Union Congolaise des Femmes des Médias, ICOFEM. Ce bureau abrite également une salle de rédaction où ces jeunes femmes qui terminent à la faculté des sciences de l'information et de la communication viennent pratiquer le métier de journaliste en rédigeant des articles d'actualité et en enregistrant des émissions sur la vie quotidienne à Goma. La composition de cette équipe de rédaction est inédite, uniquement des femmes, y compris les responsables, ce qui n'affecte pas la bonne ambiance ou le sérieux du travail de ces femmes. C'est lundi, elles ont tenu leur toute première conférence de rédaction du mois de mai, avec un focus sur les différents sujets à traiter cette semaine, notamment la liberté de la presse en RDC, et en particulier au Nord Kivu, province dirigée par le militaire depuis un an. Pour elles, les femmes doivent prendre les devants et ne pas se sous-estimer. J'appellerai toutes les femmes, toutes les filles qui font le journal, donc qui font le journalisme, la communication, de venir et que nous soyons nombreuses, qu'elles enlèvent la peur de travailler dans le journalisme, donc de travailler en tant que journaliste de femmes. Travailler sans aucun homme ne dérange pas ces femmes qui se sentent largement capables de faire le même travail que les hommes, comme le martèle la rédactrice en chef. Nous ne dépendons pas des hommes pour travailler. Donc nous pouvons travailler main dans la main pour concevoir quelque chose, pour concevoir une seule chose, voilà. Mais nous ne dépendons pas d'eux. Même s'ils ne sont pas là, nous pouvons travailler. Donc l'absence des hommes ne peut pas se présenter comme un handicap, en fait. La directrice de l'Union Congolaise des Femmes des Médias révèle que l'idée derrière cette initiative est de donner aux femmes le moyen d'occuper les postes de décision dans les salles de rédaction dans un avenir proche. Ma lutte est de donner le goût à ces jeunes journalistes. Parce que actuellement, avec nos communautés, avec les us et coutumes, avec tous les stéréotypes autour de la femme journaliste, nous voulions que tous ces stéréotypes cessent. Donc que les femmes se sentent à l'aise d'être journalistes. L'Union Congolaise des Femmes des Médias s'attaque à la réticence des femmes à exercer le métier des journalistes et se bat pour atteindre l'horizon 2030 avec l'égalité des femmes dans les différentes rédactions. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.